Bon les gars, je suis à quelques heures du départ pour retourner à Marbella. Je sais pas pourquoi, je suis un peu stressée. Je suis toujours stressée avant les voyages. Je sais pas vous. Je suis toujours stressée avant un voyage. J'ai oublié quelque chose. Après, je me dis rien d'important en vrai, tant que j'ai mon chien, qu'on a nos passeports et la carte et tout ça, ça devrait le faire. Après là, je me dis aussi que le fait que j'ai rien organisé et tout, ça, je suis un peu en mode excitation pour Noël. Je suis trop contente. Ça va me détendre un peu. Puis après, vu que je suis aussi le genre de personne qui part toute seule en vacances. Voilà. Mais vous savez que c'est archi, mais archi bien de partir en vacances tout seul. Je sais que ça fait peur à plein de gens et tout, mais je vous jure que c'est une expérience de ouf. En fait, c'est les meilleurs moments. Genre, si t'as envie de rester. Bon, ça y est, les amis, il est 7h11. Mon frère, il est venu chercher, je suis trop contente. Donc, du coup, il m'accompagne à l'aéroport. Si je suis bien fatiguée. Moi aussi d'ailleurs. Et c'est parti pour prendre l'avion. J'espère que tout va bien se passer, qu'il va bien se reposer dans l'avion. Et je vous tiens au courant dès que j'arrive à Malaga. Des gros bisous. On va parler de sommeil, let's go. Mon soleil, on va goûter le désert. Let's go, mon soleil. Et si c'est pas toi, c'est qui tu connais? Oh, mon amour. Bien arrivé et je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis choquée. Je vais vous partager ça tout de suite. Merci déjà infiniment à Contigo. Je vous aime d'amour, 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 de gloire et de beauté. Shouldn't have to fall for free. Is it just me?